écrire un livre pour moi, c'est une continuité de un ensemble d'articles que j'ai écrit déjà. Que ce soit dans Ibo Post, dont j'ai écrit déjà, dans le journal, depuis pratiquement 4 ans. Pour moi, écrire un livre, c'est continuer et mettre dans l'autre dimension, dans la production. Pour moi, qui rentre dans une logique d'analyse, en logique de faire le monde comprendre. Mais le plus grand objectif de tout cela, c'est une logique de vulgarisation. Permettre que ça que un monde qui se spécialise apprenne ou qu'on fait, permettre que l'accessible à une autre catégorie de monde qui n'est pas ni savant, qui n'est pas ni dans le domaine d'expertise. Moi, je crois que c'est tout à fait normal pour que nous parlions de pauvreté, parce que c'est un tabou. Il y a des gens par rapport à côté à évoluer dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, dans Pétionville. Par contre, il y a des zones qui n'ont pas l'impression que c'est aussi réel. Moi-même, moi, c'est un monde qui est chanceux qui fait 10 départements. Nous allons nous visiter, nous garder. Moi, je dis, ah, bon problème là. Donc, la première chose pour moi, c'était important d'interpeller les gens par rapport à une réalité qui est la pauvreté. Ça, c'est un. Donc, la pauvreté haïtienne, elle est bien réelle. Ce n'est pas un journal qui a inventé elle. Ce n'est pas un média qui a essayé de faire quoi elle. Mais elle est vraie, elle est réelle. Donc, pour moi, c'est le premier objectif là, ça. Mais deuxièmement, c'est mettre en phase sous responsabilité que l'élite haïtienne a gagné, notamment dans les dernières années, dans l'alimentation pour voter. Je dis deux choses. Premièrement, le livre là pas nié ni influence, ni implication, ni toutes gens que étrangers de période colonisation à nos jours capables de gagner sous pays. Moi-même, j'ai des exemples clairs que je cite. Moi, je dis comment l'ambassade de l'AO pousse Matéli, président Matéli, dans le deuxième tour qu'il batte là. Moi, j'ai une quantité de bagages que je parle, nous évoquons l'occupation américaine, nous évoquons et ça nous est l'isolement international après 1804. Il y a des bagages que nous évoquons. Mais en tant qu'intellectuel, je choisis un parti qui intéresse, mais qui c'est qui ça? C'est la responsabilité haïtienne gagnée dans ça. Donc la responsabilité, elle est partagée, mais moins quoi, et c'est thèse-là ça, que la responsabilité de la pauvreté haïtienne est beaucoup plus sur les Haïtiens que sur les étrangers. C'est la responsabilité, pas moi. Je choisis. Maintenant, on est capable de prendre l'autre position. Et position, ça, des fois, elle dépend de l'idéologie, mon Dieu. Mais ça, c'est le premier élément. Deuxième aspect, c'est qu'ils arrivent. Ma grande question, lors dit que comment un pays était colonisé, capable de faire dire que c'est la question, est-ce que c'est l'Haïti qui était colonisé? La question, est-ce que c'est l'Haïti qui était en esclavage? La question, est-ce que c'est l'Haïti qui était en occupation américaine? So, tous les pays de l'Amérique latine sont passés par tout ça nous avons critiqué, nous avons fait noir. Ils ont financé l'élection de tous côtés. Donc, mais la question, c'est qui ça lié? Parce que des fois, nous en Haïti, nous pensons que les ambassades influencer seulement Haïti. Non. Ils essaient d'influencer tout le monde. Parce que c'est Wall en tant qu'impérialiste pour faire une gérance de tous côtés. Pour qu'ils influencent la politique tout l'autre pays à l'encens par eux. Maintenant, est-ce que vous jouez le monde de tous côtés pour faire bouger le gouvernement? Est-ce que vous jouez le monde de tous côtés pour garder l'élection? Est-ce que vous jouez le monde de tous côtés pour faire diviser? Est-ce que vous jouez le monde de tous côtés pour que vous fassiez gens que nous avons fait là. Est-ce que vous jouez le monde de tous côtés pour aider pour impérialiser ça qui a pied? C'est ça la question. Donc au final, influence blanche gagne en complicité haïtienne là-dedans sur toute la ligne, à l'exception de période de colonisation. Les salariés forcés sont en Afrique, ils ont pesé coup. Mais par la suite, que ce soit les bois qui ont été acceptés, pays d'indépendance, mais que les historiens qui disent que bois ont participé dans la décision. Boy, c'est un nègre qui fait en France, monsieur participe là-dedans. Une élite haïtienne qui aidait Américain, qui aidait Français, qui aidait Canadien, qui aidait Brésilien, qui supportait une quantité de bagaille. Maintenant, pour qui ça, on va vouloir me bailler élite à charge ou vouloir me bailler invité à charge?